Alors il y a beaucoup de vent, alors je vais vous expliquer ici quand je suis à peu près à l'abri. En fait ce que j'essaie de faire c'est une photo en fait, je suis au 50 mm, c'est assez serré, le paysage surtout dans là où je suis, c'est vraiment serré 50 mm. Du coup ce que j'utilise c'est que j'utilise Vevey et le lac pour faire une ligne. J'ai notamment l'autoroute en bas de ma photo qui me sert un peu de ligne directrice, qui va finir un peu plus loin dans la ville qui est assez claire. Et ensuite ça retourne plus à droite avec les montagnes etc. qui sont enneigées au fond. Donc on va bien voir, je pense que ça va marcher. J'ai mis un peu de correction d'exposition négative parce que j'ai les nuages qui sont bien blancs quand même. Donc juste pour m'assurer, je vais baisser un peu la luminosité pour être sûr qu'ils ne soient pas cramés. Bon, vous l'aurez compris, j'ai abandonné l'idée de shooter avec les 50 mm. J'ai utilisé un peu mon téléphone, qui a un bien plus grand angle évidemment, avec le capteur arrière notamment. Vraiment efficace, je pense que c'est pour le coup des compositions sympas, même si le piqué sera moins intéressant, etc. Mais je pense que ça sera quand même intéressant. J'ai essayé d'utiliser à plusieurs reprises le premier plan, donc là je suis à côté d'espèces de cailloux épluchés. J'ai essayé de les utiliser un peu pour créer un premier plan intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaines. Sur mon premier plan, donc il fallait pas trop en mettre, sinon ça devenait pas forcément intéressant et ça venait même perturber un peu la photo et la grandeur du paysage. Voilà, j'ai essayé plusieurs cadrages avec, en mettant une ligne de tir à différents endroits, des fois plus de ciel, des fois moins de ciel. Voilà, par là-bas il y a le soleil aussi. J'ai pas essayé de shooter face au soleil. Parce que c'est pas très intéressant, en premier plan j'ai avec des arbres, c'est pas très intéressant, et puis les montagnes du coup elles sont un peu dans le... pas dans le brouillard mais dans la brume en fait, elles sont pas très nettes donc pas très intéressant. Des vidéos dehors ok, mais avec du vent c'est difficile quand même hein. Bon, j'espère que cette vidéo aura été intéressante, notamment sur le fait que c'est pas forcément nécessaire de garder son gros appareil photo si c'est pas forcément le plus adapté à la situation. Ici j'avais que le 50 mm qui était clairement pas adapté par rapport au paysage que j'avais devant moi, donc c'était plus intéressant de passer sur le téléphone qui a un beaucoup plus grand angle, donc forcément la qualité des photos sera peut-être un peu moins bonne, mais visuellement elles seront quand même vachement plus intéressantes. Donc comme j'ai pas l'intention de les imprimer en 50 mètres par 50, je pense que passer sur le téléphone ici c'est vraiment la bonne chose à faire, et donc je vous encourage à réfléchir à quel est l'appareil le plus adapté quand vous êtes dans des situations comme ça. Bon, sur ce, on se revoit à la prochaine, et n'oubliez pas, le plus dur en photographie c'est de sortir chez soi. Ciao.